Ah, tu sais que tu vas avoir une vengeance. Ah non, non, mais tu sais que là, tu vas avoir une vengeance, mon pauvre ami. Oh non, c'est pas dans le contrat, ça. Non, mais tu sais que j'ai réfléchi là, un truc à faire. Oh là 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 là. Bienvenue à tous, on va aujourd'hui avec Hans faire le Yes Man Challenge sur Gmod. Donc qu'est-ce que c'est le Yes Man Challenge? C'est tout simplement, tout bonnement, dire oui à tout. Donc c'est-à-dire que Hans va être mon acolyte aujourd'hui, il va me demander des choses et je ne pourrai pas dire non. Évidemment, ça ne peut pas être des choses IRL parce qu'il va me demander 2000€, je vais devoir lui donner après. On va jouer donc avec Hans et il va me donner des ordres. Je vais devoir l'écouter. Il est gentil à me donner des ordres gentils. Hein. Exactement. Et inversement aussi, j'aurai à faire des choses. Hein, parce que sinon... On peut pas le faire tous les deux, le Yes Man Challenge, sinon ça fait Yes Yes Man Challenge. Ou Yes Man 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 and Man. Alors déjà, ce chien-là, tu as le free kill. Ah, bon, pas vrai. Bon, écoute, avec quelle arme? Peu importe, sniper. Vas-y, sniper. Oui. Ensuite, Hans. Attends. Tu vois le ticket, il y a quelqu'un là qui vient de J'ai pas les tickets. Ah merde, t'as pas les tickets. Ouais. Est-ce que je peux le prendre des TP ou pas? Vas-y, mais j'espère que c'est pas un ticket de merde. Genre en mode. Okay. Non, mais en fait, oui. Tu dois dire au mec. Ah bah non, c'est vrai que je peux pas dire, je veux juste que je dise oui. Mais non, mais c'est pas possible parce qu'il y a Peter qui l'a pris. Ah, bon, Pierre, tu vas et tu dis à Peter de dégager. Okay. Ouais, mais je pense là, il l'a déjà avancé. On va attendre le prochain ticket pour que je te dise. Très bien. Faut dire oui à tout. Putain, vous avez vu, j'ai essayé de négocier un peu, mais faut pas, ouais. C'est oui. Ce props, tu vois ce props? Oh non, oui. On sait que tu peux le prendre, tu vas bloquer la route avec. Désolé, oh, quel enculé, non mais ouais. T'as pas dit oui, par t'as contre, pas dit yes, man. Oui, t'as pas dit yes. Oui, ouais, par voilà, contre, je peux col pivoter sur un axe. C'est... Donc l'un dans l'autre, ça sera déjà bien bloqué. Voilà. T'es beau joueur. Excellent. Oui, il y a un chien à droite, tu veux pas que je le retue? On va le laisser tranquille un peu, non? Ou alors, on va le tuer d'une autre manière. Mmh. Ok. Là, tu vas devoir faire quelque chose, mais un temps à partie, et ça va être... Ok, je me prépare. Tu dois te faire spawn une Bugatti. Et faire Carkill sous chien. Oh putain, t'es marrant. Tout de suite là maintenant. Mais je sais pas où elle est. Tu veux dire yes. Je sais pas où elle est. Tu veux dire yes. Oui. T'as un temps imparti. Oui. Oui. Mais après, dans tous les cas, le temps imparti compte pas tant que t'arrives à Carkill le chien. Sauf que là, le problème, c'est que le chien, il est à l'intérieur. Il est rentré là, où? Il va falloir vraiment que tu le suives. Il est rentré là. Où? Non, devant. Banque, ah. Arrière-banque. Tu me la prends dans la banque? Il va falloir que tu le suives, hein. Ça devrait le faire. Attends, je vais l'ouvrir. J'arrive moi-même pas. Parce que t'es un peu handicapé. Je suis pas handicapé, je sais pas le faire. Ça va être galère, ça. Oui. Mais non, mais il est monté aussi, j'ai plus de... T'es sûr qu'il est monté là? Ah ouais. Et c'est impossible. Oui, je l'ai vu il y a même pas quelques secondes. C'est-à-dire là, il est en haut. Je vais y aller. Côté. Ah putain, j'allume. Bon, la vache. C'est dangereux, ça. C'est qui a mis ça là? Il devrait sortir. Ah, il est là. Regarde dans le chat. Il y a des frères de barrières au centre-ville. Ah, où ça? Ah, voilà. Ok, là, ça veut dire qu'il sait pas que t'es en live. Ça veut dire, MK, tu dois aller voir... Oh, je l'ai eu. Ok. Bah, vite, alors on enchaîne. Tu dois aller voir Peter et lui dire, ferme ta gueule. Oui. Tu lui dis clairement, ferme ta gueule, gros. T'as pas mais à parler. Oui, mais il faut que tu te TP à lui, là. Je sais pas ce que tu fais, là. Ah bah, je comptais y aller. Bah, attends, je vais le TP. Je vais le TP à la plage. Peter... Unclock... Peter, c'est quoi le problème de barrière là qu'il y a? Bah, il y a une barrière en plein milieu de la route. Ferme ta gueule, ah, Peter. Ferme-la! C'est bon, j'ai faim, j'ai le droit de manger ou pas? Il va me balayer. Oui. Ok. Mais ça, t'as pas besoin de demander. Je me fais victime par mon staff! Non, j'ai entendu l'écho chez toi, mais ça, c'est quoi ça? Ouais, j'ai entendu l'écho chez toi, gros. J'y vais. Oh merde, c'est vrai qu'il y a le carquin, moi, je l'ai enculé. Ah bah oui, mais ça c'est grave ça. Ah bah oui, mais en même temps. Moi j'ai faim, j'ai 11 de vie. Il va falloir que là on enchaîne crescendo. J'entends rien. T'aurais pu donner des défis là alors que je suis là ici, tu vois. Mais non, je te laisse manger. Tu prends un joueur au pif sur le serveur, ça veut dire que tu le prends au pif. Je prends lui à droite. Et tu lui fais croire. Non, tu lui fais croire pendant tout le stream qu'il est modo test et tu devras vraiment le mettre modo test. Oh.
Ah non, pas lui. C'est-à-dire que tu dois le mettre en mono-test, tu lui fais croire qu'il reste mono-test, mais il doit rester mono-test. Hein. Mais faut que je le mette mono-test. Oh là là, imagine, il banne toute la soirée. Faut que je choisisse bien. Ah bah là. Faut choisir un mec. Ah bah justement, je te laisse le choix de choisir, mais tu dois dire oui. Oui. Oh là là, oh, c'est vraiment, t'es vraiment un connard là, je pensais qu'on allait faire une vidéo tranquille et là. Ah bah il faut du risque hein. Oh là là, les bâtards. Ah, j'en connais pas. T'as de la chance, c'est pas moi qui choisis. Il aurait pris un qui coûte ça. Le moins pire. T'as j'hésite. Il faut pas seulement que tu le sais, hein, il faut que tu lui dises qu'il est modeux et ouais, tout. Ouais, qu'on fasse une cérémonie et tout. Bah oui, forcément. Ouais, je pense que c'est le moins pire en vrai lui. Allez, on va faire une cérémonie avec Rias. On a besoin de toi, Rias. C'était pour te dire que avec Hans, on a... Ouais, ta radio s'il te plaît, c'est important. Avec Hans, on a bien réfléchi et vu que là on cherche des personnes pour entrer dans le staff, on va te passer à Modotes, Rias. J'ai pas envie d'être Modotes, non. Bah tu l'es. Ah voilà, il a dit qu'il avait pas envie. Bon oui, je Il peut pas refuser. Ah, parce que sinon c'est ta crédibilité qui est mise. Moi je peux pas refuser monsieur, hein, monsieur Rias. Bon au pire vous restez comme ça monsieur et continuez votre vie. Hein. Mais vous êtes quand même Modotes. Bonne journée monsieur. Bah... C'est bon, attends je le laisse parce que là ça commence à devenir malaisant. Hein. Demandez à Peter de vous former monsieur Rias. Il est important de se former avec Peter. Il a pas dû comprendre. Et tu sais que s'il déco, tu pourras pas savoir qu'il est toujours bon. Mais enfin, il y a des chances que tu oublies. Timothée va former Rias. Tu sais qu'il va le former pendant toute une soirée pour rien. Bon allez, okay. C'est bon, défi fait. Tu vas voir le nouveau maire et tu lui dis, toi qui t'as dit que tu pouvais être maire et tu lui mets une balle de sniper en plein dans. C'est-à-dire que tu dois assassiner le maire sans raison, tu dois le freaking. Oui. Voilà, il a dit oui. Il est en train de construire, vite. Ah bah voilà, je fais comment. Monsieur le maire, on a besoin d'un rendez-vous. Ah carrément, genre nos clips pour freaking gros. Ah oui, tu dois faire genre t'es un staff. Monsieur, regardez, de l'autre côté, monsieur, venez, là où il y a le judas. Mais non, c'est bon. Venez, non, mais monsieur, regarde, il faut que tu me donnes une licence. Licence d'armes. Non, je n'en ai pas besoin. Non, mais justement, t'en as pas besoin. Reviens. J'ai une autre technique. J'ai le droit d'utiliser un fusil à pompe à la place. C'est grave. Ah, en fait, il fusille pas ses props. Attention, voilà, laissez-moi passer. C'est ton défi, MK. Ça commence à être dérangeant. J'y vais. Là, monsieur. Tu peux m'aider juste pour le sol parce que là, ça risque d'être compliqué. Hein. Monsieur, calmez-vous. Il laisse pas passer les autres. Ah, bah, c'est je suis bizarre. Monsieur le maire, vous avez aucun respect. Vous n'avez rien à faire avec le maire. C'est dans la merde. Oh. Attends, j'ai le triple punch. Oh là là, quel enfer ce que tu mets dans des situations. Oh, j'ai supprimé une balle. Oh là là. On était au mauvais endroit au mauvais moment. Hein. Après, le défi a été réussi en soi. Mm-hmm. Tous les défis sont réussis pour le moment. Ça, c'est pour sûr. Le moment, tout est réussi. Je viens de voir Kouroy sur le chat. Oui. Tu vas devoir aller voir Kouroy, ok. Lui dire de se connecter sur mon GTRP pour faire la file d'attente et de déconnecter. Et sinon, il est démode. Clairement, tu lui dis ça. Okay. Il se connecte sur mon serveur juste pour la file d'attente. C'est-à-dire, il fait 42 files d'attente, c'est 2 heures de file d'attente, ou alors il est démode. Je crois que c'est lui. Après, il peut ne pas le faire. Mais toi, il faut juste que tu fasses ça. Kouroy, plutôt. Kouroy, il faut que tu ailles sur le GTRP, que tu fasses toute la file d'attente pour te connecter. Parce que là, il faudrait que tu règles. En fait, tu sais, ils font des mises à jour sur le serveur. Si tu te connectes pas, tu vas perdre ton son roleplay. Et une fois que t'es connecté, une fois que t'es connecté, tu peux te déco, c'est bon. Ah mais là tu vas perdre tout ton argent, tous tes véhicules et tout là. Non, il faut que tu lui dises qu'il est démode s'il le fait pas, clairement. Que ça encore. Si tu le fais pas, je te démode du serveur. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Là on peut dire avoir l'argent alors à la fin. Ouais, regarde, il a dit que t'allais te donner 40 millions. Vas-y, 40 millions, t'inquiète, fais-moi confiance. Vas-y, je mets quoi alors? Nouveau défi, ce challenge, je le réussis à la perfection, ça je vous le dis. Ah, jusqu'à maintenant, ça se trouve, je trouverai des choses à faire. Ah ouais? Ok, je sais qu'il y avait une vidéo où j'avais vu qu'il y avait un add-on, c'était pour faire un parc d'attractions. Ouais. Bah là, tu vas aller devant le centre commercial, centre-ville, et tu vas mettre une roue. Une grande roue? C'est bien ça. Tu veux, mais ça dépassera le plafond. Bah, tu dois mettre et ça doit rester durant toute la durée du stream. Ça veut dire que ça doit rester 2 heures. Ok.
ok. Oh là là, quel enfer. Genre là à gauche, là. Ici. Ouais, ouais. Ok. Non, 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 non. Hop, 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 hop. Où ça, reviens, là reviens. Où ici. Là. Ici, là, là. Au milieu de la route. Non, mais gros, t'abuses de ouf. Ah, genre, bah, ça gros, prend toute la route. Comme ça. Et non, ah, mais les oui, gens, ils peuvent bah plus oui passer, c'est le seul accès. Attends, je fais une bah simulation. Mais tu l'as fait sentir moi. Mais on peut pas garder ça, regarde, les gens ils passent plus du tout là. Bah gros, faut assumer tes Yasmin challenge hein. Tu veux pas plutôt, regarde, on va plutôt le mettre comme ça, regarde, il est bien là. Regarde, regarde. Non, non, attends, attends, tu regarde, essaies de négocier maintenant. Non, je négocie pas, t'essaies je te négocier conseille. Regarde, c'est mieux les là. Joueurs, c'est mieux négocier là. Négocier mon Yasmin challenge. C'est mieux là, regarde, en plus on peut faire un tour, regarde, monte dans la grande roue. Non, 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 tu vas le mettre comme je t'avais dit de le mettre et les véhicules ils passeront là. Tout simplement. Ouais. Ils passeront. Mais il y a les gens, ils sont contents. C'est très bien. Entre nous, tu j'entends sais très bien plus, que les véhicules ils peuvent faire le tour. J'entends les véhicules, j'entends plus. Je dis un joker sur cet axon-là, mais t'es fou là, ça va bloquer tout le monde. Là, j'ai sorti hors map, attention. Et voilà, je suis hors map. Fallait assumer tes Yes Man Challenge. Je suis hors map, je suis hors map. C'est quand même grave. Ok, bah c'est bon. Vas-y. J'accepte. J'accepte ton Joker pour celle-là. Très bien. Mais il y a normalement, tout le monde dans la grande roue. Donc ça aurait dû venir comme ça. Ah ouais, j'imagine que ça devait bloquer notre carotte. Je regrette ce challenge. Tu as trop d'idées. T'aimes mal le nouveau mode de test, il charbonne. Ah ouais, il le prend premier degré. Oh, oh non. Oh ah t'es non un bâtard, il fait les tickets de ouf. Oh là là. T'es vraiment un gros chien. Oh bah désolé Ria, ça c'est pas de ma volonté, c'est le challenge. Oh là là, vraiment, c'est comme ça, ça me fait mal au cœur moi de voir. Je sais pas. Parce que là, là il se fait former par Timothée, et à la fin de la journée, là il va avoir... Eh bah non en fait, enfin la fin du soir. Ah là 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 là, j'ai envie de pleurer là. Tu vas aller tu vas aller dans une maison de farmeurs, de gens qui farment. Ouais. Et tu vas leur mettre un ATM et tu vas leur dire... c'est pour que vous soyez plus. Pour que vous fassiez plus d'argent. Vous perdiez moins de temps à aller à l'ATM et tu leur mets un ATM. Ouais, ok. Va falloir trouver. J'ai quand même le sac d'armes. Finalement, ce sera pas un ATM que tu vas déposer. Oui. Tu vas leur déposer deux véhicules et tu vas leur dire que c'est pour se déplacer plus vite. Et tu les poses à l'intérieur de l'endroit okay, où ils ok, voilà. Il y a un gars qui est juste là. C'est-à-dire tu rentres en clip comme un staff dégueulasse. Tu rentres et tu déposes deux véhicules. Voilà. Donc ici, tu déposes deux véhicules. Bonjour monsieur, vous avez été sélectionné pour avoir deux véhicules gratuits. Ah non, 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 en fait tu remplis la salle de véhicules, ah, voilà. C'est plus parce que deux véhicules, c'est rien. Ouais. Vas-y, je vais même t'aider à les déplacer. Bon, je pense que ça peut faire crash le cerf, je pense que ça peut faire crash le cerf, donc dans le jeu. Je pense que ça peut. Hein. Genre supprimer une loose. Bon, faut mieux pas les mettre comme ça parce que. Ouais, mais quelle idée là aussi. Oh, oh merde. Là c'est bien rempli, je trouve. Là c'est là, pas c'est mal. Oui, tenez monsieur, vous êtes. Là, il va falloir juste réparer. Le pauvre il a juste un truc de. Un travailleur. Le mec ça se trouve. Il... Tu imagines le mec qui s'est même pas quitté, il connaît pas ta chaîne Twitch et qui voit ça gros. Ah ok, les gens ils viennent. Excellent. Il va faire des Porsche GT3. Vous êtes bien aimable. Bon ben voilà monsieur, je vous ai donné tous ces véhicules. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oh par contre que je vois pas de délette hein, j'espère que t'as pas de non, non, non. Bah regarde la grande roue, la grande roue elle est grave ça. Vas-y. Au revoir. J'espère qu'elle. Prochaine mission Hans. Parlant de quartier, tu vas te TP à tous les joueurs de la carte et leur faire spawn un T-Max. Tous. Tous, oh impérativement, là, sauf les administrateurs. Tu dois dire yes. Tu dois dire yes. Oui. Hein, tu dois dire oui. Alors... Allez, tous les joueurs, je regarde ça sur le stream. Bon, bah, y'a lui, hein. Tenez, j'avais oublié de vous donner cette voiture, monsieur, enfin, cette moto. Tenez, c'est pour vous, monsieur. Ah, bah, tiens, tenez aussi, vous aussi, ça ira plus vite. Et vous. Voilà. Et vous derrière, monsieur, monsieur. Mais qu'est-ce que. Tenez, c'est pour vous, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Ok, y'a lui. Hop. Monsieur, tenez pour vous, un scooter des mers. Non. Hop, lui. Tenez, monsieur, vous repartez avec un scooter ce soir chez vous. Y'a qui d'autre? Parce que... Oh putain, maintenant j'ai mal fait mon job là, je sais plus qui j'ai donné ou pas. À lui. Oh, ouais, là, il va falloir... Messieurs, messieurs, oh là là, ça tombe bien que vous soyez là. Tenez, je vous donne un scooter. À prendre soin, monsieur, à prendre soin. Je t'aime. I love you. J'ai trouvé une maison d'homosexuel.
Ah là, c'est grave ce que tu me fais faire, là, je me suis traumatisé. Ah bah gros, c'est comme ça. Tenez monsieur, de rentrer à pied, au lieu de rentrer à pied, monsieur, prenez ça. T'as vraiment, tu vois, genre, ça aide les gens, tu vois. Et deux cuisiniers, ça veut dire deux scooters pour vous. Bon, joyeux anniversaire, au revoir. Oh bah voilà, j'entends des pétards exploser. Ah bah, c'est un scooter. Il y a un accident entre deux scooters, c'est pas bien large pourtant. Monsieur, vous êtes tout seul? Ah, t'es un joueur aussi, hein. C'est moi. T'es un joueur aussi, comme les autres. Bah ouais, j'avais dit sauf les staff, là j'ai un grade staff. C'est vrai, c'est vrai. Quand je vais sur ton serveur, on va faire un yes man, là tu vas moins rigoler, hein. T'as déjà assez foutu la quoi, quoi. Non, 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 moi je dis, les gens, mettez-moi en commentaire si on a envie d'une vengeance. Où on va sur le serveur de Hans, et là il va bégayer, parce que là, faut que je me venge pour ça. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on se venge de Hans, et on ira se venger de ce gros connard de Hans. Du coup, je t'avais dit, maintenant ton prochain challenge, c'est de faire remorquer au dépanneur quelque chose qui n'est pas remorquable. C'est-à-dire tu vas devoir lui, là, le dépanneur. Monsieur le dépanneur, monsieur le dépanneur, suivez-nous avec la Bugatti, faut qu'on faut que vous remorquez quelque chose. Il faut qu'il n'y arrive pas, c'est ça le concept. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut que le truc soit tellement énorme qu'il y arrive pas. Allez jusqu'au désert, dépêchez-vous. On va sauter, ça je suis mort. Allez jusqu'au désert, on vous rejoint. Monsieur, votre ami, il est mort. Oh là là, le mec il est mort à cause d'une frôlette de la rétro, il est tombé gros, il a fait un AVC gros. Il a vu un rétro à 50 000 euros tombé. Et qu'il est dead. Mais non, mais c'est pas fait comme ça, au moins t'auras le temps de préparer la chose qui devrait remorquer. Ok, suivez-nous jusqu'au désert, enculé. J'ai une idée, moi, de ce qu'il va remorquer. Hein. J'ai le droit de mettre une corde pour qu'il remorque et qu'il galère vraiment. D'accord. Oh, oh. Saute. Oh, j'ai volé, gros. J'ai pas eu besoin de sauter, mais ça va. Mais tu sais très bien qu'il pourra pas remorquer. Bah genre, si, je lui mets une corde. Véhicule, bah si, je mets une corde à son... À son ah, arme. Oui. Attendez, je vous place, vous êtes trimmer. Oui. Et c'est gros, c'est mon corps qui l'a bloqué, c'est pas possible ça. Allez, remontez dans votre voiture, arrêtez de faire le pit. T'as là qu'il a. Imagine, c'est un dépanneur normal. On est souvent en train de faire une vidéo, quand même, on va faire le dépanneur aujourd'hui. Ah bon. Ouais, super. Mais il pourra faire un titre en mode OMG, il est du remorqué à un avion. Arrête d'avancer, sinon je te mets deux frites dans le nez. Après, est-ce qu'il est des frites ou pas là actuellement? Oui. Alors, j'aimerais que vous me le ramenez, monsieur, au manoir, s'il vous plaît. D'accord. Là, ça... Il y arrive. C'est pas le... Ouais, mais je pense qu'il va se bloquer. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de force. C'est de l'autre côté, monsieur. C'est déjà pas par là, monsieur. C'est déjà pas par là. Quand tu vas bloquer, gros. Mais on peut pas mais passer, mec, comment... mais on peut pas passer par là pour aller au manoir, c'est là où il y a la villa et tout. Oh là là, il va se c'est oh là là, il est en train de nous enculer. Aïe aïe aïe. Mais lui, c'est pas. C'est que ça, c'est le genre de mec qui arrive avec ses skis et qui essaie avec ses skis de rentrer dans la porte comme ça quand ils sont horizontales. Mais c'est pas possible. Il est vraiment mec, c'est là. Et là, il est bloqué pour la ville, hein, regarde. Bon. Je pense qu'on revient dans il est autiste. Pourquoi il est pas juste on a droite. Et là c'est fini. Là c'est impossible vu qu'il débloque ça comment. En vrai il y a une strat. Il y a une strat à faire. Oh bah, c'est sûrement pas lui qui a un truc. Il y a une strat où il faut pousser le cul en fait. C'est même plus écrit gros, c'est de l'ultra. Wow, mes oreilles, vous avez entendu ça? Attends, pendant que lui galère, j'ai envie de voir Ria s'il devient quoi. J'ai quoi là avec Timothée là? Dis-moi ce que t'as d'autre quand... Probablement. Non mais tu sais qu'il est vraiment en train de le former là. Attends, j'arrive pas à entendre ce qu'ils disent mais... Ils sont en train de se former avec... Ouais t'as ça comme arme, alors ça... La wrench, ça sert à réparer les voitures avec clic droit et tout, nommé OMG. Oh putain, ça avance, ça avance. T'es où? T'es dans la voiture, ok. Le convoi avance. Le convoi avance. Oh putain, on a raté ça. Je pense qu'il va éviter de passer... Non mais tu sais que c'est impossible parce que je lui demande de passer à des endroits... Il arrivera jamais à passer avec son avion en fait. Encore ça va, il y a des petites ailes. IRL, ça a au moins 1m50 de plus sur les côtés. Mais non, mais là aussi il y a un pont. Mais jamais de la vie va passer, il y a des ponts dans tous les sens. Oh là là. C'est mort pour lui. Il a pas compris que c'était mort. Après ça, ça veut dire que t'as réussi ton défi, parce que le défi c'était de... Qu'il y arrive pas, tu vois. Là, regarde le pont, jamais, jamais il n'y arrivera. Jamais il passe, bon. Attention, tu vas voir l'avion s'arrêter d'un coup. Ah non, non, c'est pas vrai. Et là, ça va faire boum. Boum.
Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il fait une grosse marche arrière. Mais... Faire demi-tour. Oh, il arrive à faire demi-tour, t'es vois comment il fait demi-tour, mais what the fuck. Ah bah là, il est bloqué là. Non mais tu sais qu'il a réussi quand même à faire demi-tour, hein, et ça c'est quand même louable. Hein. Enfin, j'ai bien mis de faire plein de cordes comme ça, moi c'est clean. Mais là, il va le poteau. Oh le poteau. Ça l'a fait soulever. Attention, il va s'arrêter dans 3. Je sais même pas. Il s'est arrêté. Là, il essaie de réfléchir dans sa tête, c'est pas possible. Ah, et voilà. Comment ça se coince, c'est abusé en vrai. Ouais, quand ça rentre pas, faut pas forcer, sinon ça tous déchire. Bah, livrez-moi ça, petite ville alors. On va le faire, on lui fait faire le tour de la ville. Mec, il monte, il redescend, il monte. Oh, ça passe ou ça passe pas? Oui, ça passe, oui! Ça passe. Oh là, tout juste sur les latérales. Oh non! Ça a bloqué. Oh, vas-y, je vais l'aider un petit peu. Il doit forcer. T'inquiète, je le lève. Accélère! Donne tout, casse-moi tout là-dedans! Excellent, bah laissez-le-moi là. T'es trop personnel. Monsieur, aidez-moi. Je ne vous connais pas, monsieur, je ne vous connais pas. Déjà, pourquoi il vous aiderait? Ce monsieur, il est fourrin, il met des attractions partout dans toute la ville, c'est son métier. La vie, elle est stylée, on dirait. On dirait Euro Disney. Comme diraient les jeunes en 4 ans. Tu connais le quoi, le ciel? Le fameux. Bah. On va le mettre dans un skybox. Oh non, ça va full bugger parce que c'est le map à étage. Non, mais alors dans ce cas-là, on le fait dans le cinéma. Enfin non, on fait pas dans le cinéma, mais genre on le fait au parc d'attractions parce que vu que la map est sur des étages en fait, ça risque d'être vraiment sale. Arrête, t'as mis la limite à 0. De quoi? De quoi j'ai mis la limite à 0? Tu l'as remise à 0, je peux pas la faire. Vas-y, je te la mets là. Oui. Elle me fait vraiment baiser voilà. Avec ce défi à la con. Ah bah c'est comme ça. Je te dirais s'il y a besoin de le déplacer. Attends, voir en gros, tu pourrais te mettre au moins en cloque. C'est bon. Allez, reviens. Excellent, bah ça fait un style. Bah, c'est pas mal en vrai, on dirait des aurores boréales. Si je mets un fading door dessus et que je fais que le réactiver en permanence, c'est pas bon. Ce serait pas gentil. Quoi? Ah t'es là, non, c'était un autre ami, il est venu comme tu ça. Tu viens d'annuler quelque chose là? Non. Comme par hasard, t'as pas. Ah bah là j'ai vu en direct, hein. J'ai vu en direct. Ah mais il y avait un travailleur ici, il fallait le sauver là. Oh là là. Non mais n'oublie pas que tout acte a une répercussion. Égale. Ah j'ai une idée. Oh le bâtard. Tu veux que je la dise? Tu veux que je la dise l'idée que j'ai pour toi, quand tu commenceras sur ton serveur? T'as rappelé qu'il y aura 30 joueurs, hein. Ouais, non, bah qu'il y en ait même 5 ou 10 ou même 200 000, ça les dérangera pas, ne t'en fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras obligé le lendemain, genre tu seras obligé de le garder pendant 24 heures parce que c'est un truc que tu dois modifier sur ton serveur. Et ça... Ça peut pas être comme ça parce que ça peut pas impacter plus de 30 joueurs. Ah non, ça impacte personne. T'inquiète, ça impactera personne quand il y aura juste ta photo en publicité sur un gros immeuble. Ah mais un truc de fou. Ça bégaye ou pas? Mais t'inquiète, je ferai un photomontage pour qu'on te reconnaisse pas trop. Mais Non, je choisis la photo par contre. Ah bah non, c'est la photo que tu m'as envoyée là dans le miroir là. Oh non! Eh ouais, t'inquiète, je ferai un beau photomontage avec ton visage. Mais c'est flouté, on est d'accord. Si tu veux, je mettrai une bande noire sur les yeux là, comme dans le floutage de l'époque. Sur le visage à... C'est obligatoire de toute façon. Hein. Y'a rien dans le visage. Tu vas écrire un message, mais j'ai le droit de dire que c'est pas moi. C'est-à-dire les gens ils doivent pas forcément savoir que c'est moi. Bah, sauf le forcément ils vont le savoir au bout d'un moment. Dans la logique des choses. Ils vont forcément le savoir. Bah non. Voir, t'inquiète, j'ai bien. Ah, tu m'enverras un template avec les bons dimensions comme ça. Je vais te faire une affiche, mon pauvre ami. Une affiche pour une boîte gay. Tu vas voir. Vas-y, mais alors comment ça s'appelle? Une autre photo. Non, t'es pas besoin, j'ai déjà la photo. T'inquiète, j'ai déjà la photo sur mon ordinateur. Tu veux que je te montre sur live là la photo que j'ai? Non, ouais, ici, la montrer en avant-première. Non, moi je propose. Oui. Moi je propose qu'on mette la photo que moi je t'envoie. Non, je serais ce que une tu as une photo qui date un peu parce que. Je ferai le choix.